fait les policiers au habit. Et c'est le moment privé pour nous mettre tête nous ensemble en tant que policiers. Et policiers qui ont un détachement avec juge, avec commissaire, gouvernement, qui pensent que demain matin, ça qui est collé qui mourra dans le travail par loi, il est capable de river autour, n'a pas de fonds détachés de monde ça qui comprennent que pour humilier nous, gens qui a fait là. N'a pas de inspection générale la police à tout, assumer responsabilité pour mener une enquête. Et nous demander que pour le ministère la justice, qui c'est le ministère de tutelle, la police et le commissaire gouvernement, pour y fouiller bouche. Dans le dossier, parce que quand imaginez, je dis, Jean avocat au campé, ou bien monsieur qui n'en bas, ou cabaïsien au campé, policier qui a dit, bon, yo même, yo pas pas exécuter mandat. Yo pas pas en prison yo pour yo mener prévenu devant yo. Laisse ça, on a compris que c'est moun sa yo qui pi mal place, qui pi mal là, c'est yo même qui a souffri. Donc, nous souhaitons que yon entente qui joigne par rapport avec ça. Pour nous finir, et nous capables de suivre des données là, nous venons avec un ensemble de bagages pour nous faire population connaître que policiers c'est dans matrice population yo sorti. Policiers c'est petite population. Pour quelle que soit raison, nous pas gain droit pour nous diviser. Pour quelle que soit raison, nous supposons être soudés, capable bon problème qui passait. On a toujours joué ça et ça qui a passé là, il n'y a pas seulement arrivé dans la police haïtienne. Il n'y a pas quelque côté, il y a des policiers qui ont fait des bagailles qui ne sont pas cadrées avec le travail par eux. Mais quand même, depuis qu'il y a une intervention qui a fait, on a toujours joué ça. Mais nous, même au niveau de Sinaboa, nous disons la population ne peut pas quitter la pièce de monde à manipuler. Je dis à là, un policier. Capable de n'importe ce qu'il y a comme problème, c'est là qu'il y a un monde pour rentrer, pour le prendre soin. Qui, à qui quelqu'un va le gagner, ou pas recevoir un policier, la calme. Ça fait que nous disons que c'est celle institution qui est là, malgré tout ce qui a passé là, c'est celle institution qui est campée là. On continue à travailler maintenant mais avec la police là, puisque la police là, c'est population. Population, c'est la police là, nous condamner, nous jurer pour nous travailler ensemble parce que nous sommes dans la matrice population. Et nous avons dit, vous parlez de population, la police. Bon, et je pense que votre parole là, sort dit là, c'est que. Et nous comprenons que ça a passé. Je dis à la, c'est pas sans raison qui fait nous dire que la police n'a pas de esclaves, ni au pouvoir, ni au monde. La police est là pour faire service à tout le monde qui est dans la population. Ça a fait nous triste en pile aussi la voix pour nous garder commentaires à chaque fois qu'on connaît ces mots, pour nous garder les vieux commentaires qui a fait. Et nous croyons que nous devons ressaisir pour connaître que la police là, c'est la police. Pas nous que mieux, c'est nous. Si bon problème au niveau de la police, c'est nous qui posons le travail pour nous. Et j'ai mis ça pour nous avec cette situation. La loi n'a pas autorisé les policiers de frapper physiquement nos citoyens. La autorité, même nos cinq citoyens, la société là, aucun policier n'est pas autorisé. Par rapport à ce qui se passe là, aucun monde tout pas capable d'utiliser position ou bien pouvoir autorité que nous gagnons tout pour nous cracher sur le travail pour commencer à faire. Et ça qui passe là, nous prenons tout ça qui dit autour de lui. Et si nous avons allé enquêter, nous renseigner notre travail. Nous comprenons que, et nous disons ça déjà, c'est un incident qui arrive, qui n'a pas de besoin de là. Et il était capable de gérer si des deux côtés, et pas de gain, excès,
soit dans le comportement ou bien dans une forme d'agissement. Il était capable d'éviter, il était capable de pas besoin d'arriver là. Mais comme l'arrivé, c'est pour ça que Sinaboa a fixé position à travers une note qui est sortie le 14 février. Quand Sinaboa a demandé, et le fait que ça arrive, et responsabilité doit fixer des deux côtés, mais comme nous avons piqué devant qui a fait un marché pressé qui a fait du côté des parquets et du Grand Nord, donc Sinaboa a demandé pour qu'il y ait une commission spéciale qui crée là-dedans qu'il y a un représentant de la justice et au cas. A bien représentant la police là. Côté, il va l'enquêter sur ça lorsque il recueille l'information. Donc, non seulement approche du rapport, mais il y a bien pour choisir un juge qui est impartial, qui ne peut pas sortir dans la juridiction du cas pour affaire là capable de traiter devant pour que les responsabilités soient capables de fixer des deux côtés. Nous ne pouvons pas montrer sans professionnalisme dans ça que nous avons fait parce que nous ne sommes pas ennemis. Nous travaillons avec tout le monde, nous travaillons pour tout le monde dans l'exercice et mission. Donc, nous voulons dire à la population en matin, hein, la police, c'est la police parle. Nous voulons dire à la police et la population, c'est eux-mêmes encore. Donc, nous sommes seuls, nous condamnés pour notre travail ensemble. C'est le même genre, nous avons parlé de population, nous avons parlé de journalistes. Donc, un policier qui joue le rôle d'un journaliste, parce que la police fonctionne sur base d'informations, et ces informations que nous pouvons jeunes, nous pouvons traiter pour être capable de faire de meilleures interventions, pour utiliser différentes stratégies pour le bail résultat dans l'accomplissement de la mission. Et bien, ce travail journaliste, là, tout, c'est collecte d'informations, lié à traiter pour faire la population comprendre, pour aider à comprendre. Et partager l'information avec la police, parce que le journaliste a la population en tout, pour que la police soit capable de faire le travail. Donc, sans nous constater sur les réseaux sociaux, sans nous constater sur une série de médias, qu'il y a des journalistes qui ont fait des citations à la violence contre les policiers, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont demandé pour attaquer les policiers, pour attaquer les institutions. Donc, nous voulons dire que c'est un seul. Un incident regrettable, pas capable de mettre toute la population en face des institutions, en face de la saison. Nous disons ça pour la population civile, là, nous disons tout pour les journalistes. Pendant nous avons une pensée spéciale pour les journalistes qui étaient subis, et côté de Bobon Gaza, il était tombé dans le visage de liberté de génie, son journaliste. Nous connaissons très bien, nous avons dû parler, nous avons dû réagir dans l'émission. Donc, nous qualifions c'est un incident regrettable qui n'a pas dû arriver là. Donc, moi, je dis, même si n'importe quelle population est capable de victime comme ça, donc, les journalistes doivent trouver tout le moment, non, en droit, côté lié à cela, l'action va passer, les victimes, même si n'importe quelle personne est capable de victime. Donc, son incident qui passait, nous regrettons, nous regrettons. Pendant nous demander à la police autour pour agir avec les professionnels. Donc, et Sinaboa a demandé, pendant la part des policiers, pour agir avec professionnels, pour agir dans le respect de la loi, mais pour connaître tout le droit de faire service. Service là, ce n'est pas avec l'autorité de l'État seulement, mais service là, c'est la population. Donc, nos policiers ne sont pas capables d'afficher un comportement, non capables de dire des militants qui peuvent faire la population ouais, qui peuvent supporter un gouvernement, un homme politique. Mais leurs policiers, même si avec les journalistes, sont là pour faire équilibre et sont là pour agir selon les normes que la loi lui-même lui mettait en place. Donc, en nous, et on ne peut pas mettre en façon tout le monde dans la façon que nous avons agi. Comme ça, tout, on nous évite campagne de dénigrement, campagne de déstabilisation, ça a noué, qui a fait dans les médias, qui a fait sur les réseaux sociaux contre les policiers, contre l'institution. L'institution, c'est l'institution de l'État. Moi-même, comme policier,
Il doit demain si vous me révoquez pendant l'institution encore. Il doit faire abandon pendant l'institution encore. Il doit voyager, c'est des hommes et il retire dans l'institution. Mais moi j'étais un monde, moi j'étais un citoyen. Donc quel que soit côté mien, la constitution haïtienne il exige que je donne service à un monde qui n'a nécessité quel que soit statut monde ça est capable de gagner. Donc en nous ensemble. Je dis, ce n'est pas seulement moi-même comme porte-parole Sinaboa, comme policier, qui a demandé aux populations pour travailler avec la police là, parce que c'est même nous-mêmes encore, et nous-mêmes journalistes, en nous aider nous faire campagne ça, contre la mauvaise campagne qui a fait d'eux, contre la campagne de déstabilisation, la campagne de dénigrement qui a fait d'eux, en nous faire travailler ça ensemble pour nous demander aux policiers d'exécuter le travail dans le professionnalisme. Pendant tout, nous avons demandé à l'État central, nous avons demandé à l'autorité et dans le plus haut niveau dans la police là, pour bailler à policiers meilleurs moyens, pour bailler aux moyens de matériel qui est approprié pour nous faire face à la situation, à forme de sécurité, forme de gangsterisation que nous avons là aujourd'hui. Donc nous sommes capables de comprendre, des fois, aux policiers capables de bonne situation et ni commettre une bavure, c'est par manque de moyens. S'il te gagne un moyen qui te proportionnel à la situation, eh bien, un incident regrettable qui passe, c'est que toi, pas passé. Comme ça, nous, il faut que nous levions le voile nous ensemble, même gens avec la police, les médias, mon population, exiger de l'autorité centrale et disposition avec moyens et matériel approprié pour nous capables de travailler. Les policiers ont dit qu'on est, mission libre. Il fait ça, il forme pour la population en travail, pour la population en service, pour le travail. Mais par rapport à une situation dans telle zone, s'il n'a pas gagné un moyen pour y intervenir, eh bien, il n'est toujours pas capable de faire ce service-là. Parce que premièrement, moi, je m'apprends ça dans le centre comme policier. Pour me protéger, il faut peut-être moins protéger d'abord. Pour me capable de mesurer, pour m'aider, il faut moins dans la situation pour m'aider d'abord. Pour que pendant moi pas aider pour c'est pas une action suicide que moi en fait. Pendant nous pas ignorer que comme policiers nous connaît nous faire métier des armes, nous capables de subir des actions pour que nous perdre la vie. Mais nous exiger moyens qui appropriés pour nous capables de faire travail. Enfin, on exige tout de l'autorité de la police pour nous présenter à la population des plans qui bien définis. Des stratégies qui sont bien définies pour que la population les sente que a travaillé. Donc tout ça qui a fait nous a sorti suite à un mouvement de protestation, un mouvement de rue qui gagne. Moi, je me suis dit que la population qui a indexé telle unité, qui a indexé telle autre unité. Donc, nous le dit la police, c'est un seul. C'est ensemble pour nous mettre pendant qu'on bail information. La presse a mieux traité l'information pour capable d'aider nos problèmes. Mais nous faire, pour nous finir, nous faire une remarque tout. Et gagne un journaliste que moi ouais sur les réseaux sociaux, moi ouais non li. Et puis moi ouais un commentaire. Le monsieur est entré en contact avec lui et il a fait me comprendre que c'est pas page li, c'est pas non, c'est des individus mal intentionnés qui utilisent le nom comme un journaliste qui connaît pour capable de continuer avec la campagne de déstabilisation. Ça fait nous comprendre que le réseau gang est puissant, il a gagné un propre journaliste, il a gagné un propre média en ligne pour être capable de faire travail ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, comme policiers, nous-mêmes, la population civile, nous connaissons, c'est nous-mêmes qui, là, comme journalistes, qui a fait travail. Nous connaissons tout comme policiers, nous sommes sur le réseau, nous cherchons tout. Donc, c'est ça qui fait, nous allons continuer à prôner bonne relation, bon rapport entre la police et la presse, entre la population civile et la police. Merci. M'a intervenu en tant que avocat et avocat Sinaboa bien sûr, sur une note qui date du 15 février 2024 de Bao et du Cap Haïtien. Note ça a demandé pour que aucun avocat
du barreau du Cap-Haïtien, pas assisté devant le tribunal, pas assisté par des bandes policiers qui étaient dans l'altercation avec le commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien, Maître Charles et Edouard Durand. Et en tant qu'avocat, avocat barreau de Port-au-Prince, n'a pas rappelé que un commissaire, bien barreau, et Cap-Haïtien, que notre ça est complètement en contradiction avec décret 79 là, régissant la profession d'avocat. Il faut rappeler au barreau du Cap-Haïtien, au confrère avocat et du Cap-Haïtien, que conformément à l'article 2 du décret ça, la profession d'avocat, elle est libérale et indépendante. C'est-à-dire, par ouah, il y a un contrôle de l'ICAP de faire surveillance sur discipline, comportement avocat, yo, même pas gagner pour imposer ça. Si un avocat a choisi à défendre le policier, et que par ouah, il même dit que il pas gagner pas ça. Donc, ça veut dire que le barreau Cap-Haïtien est censé vouloir retirer l'indépendance et qu'il y a un cadre d'exercice en mission d'avocat. Pour aller plus loin, on dit que les policiers n'ont pas même des moyens pour de payer service en cabinet pour défendre. C'est le barreau même qui devrait choisir des avocats, mettre à disposition et des policiers. C'est vrai que la condamné, il faut le dire, comportement policier, bien sûr, non pas pour encourager policier à agir dans ce sens. Mais cependant, moi, je ne peux pas en aucun cas que barreau Cap-Haïtien, il retire le droit policier ou gagner, pour gagner avocat pour assister. Et c'est pas même comme avocat et avocat Stavois, non disponible pour policier ça. On est disponible pour rendre nos Cap-Haïtiens, pour normalement devant le tribunal de Cap-Haïtiens pour défendre, parce que nous connaissons que c'est un droit sacré. Les policiers, ils ont droit à un avocat, tout comme les droits criminels notoires. Que c'est Iso, Mathieu, qui a été pour mon avocat. Quand dit Iso, mon cher, comme moi, je suis capable de faire pour défendre tout le monde, je ne suis pas capable d'avocat, non, mais n'importe quel avocat choisi à défendre, je ne suis pas capable de critiquer. Ouais, qu'il soit civil. L'homme, n'importe qui a été nommé comme criminel notoire, il a un droit à un avocat, donc son droit fondamental que lui. Donc dans ce contexte, nous ne parlons que le barreau Cap-Haïtien des hautiers droits policiers et pour le jeune avocat pour défendre. Donc c'est vrai que nous sommes dit déjà, nous critiquons le comportement ça, nous pas souhaité qu'il le répéter, mais cependant, la note du barreau de Cap-Haïtien alimente la division. La police est l'auxiliaire de la justice. Donc du coup, il n'y a pas qu'à fonctionner sans l'autre hasard. Donc, c'est-à-dire que qui est-ce qui a mené un prévenu, un détenu, à devant le tribunal ou à attendre pour juger la police? Est-ce que le commissaire gouvernement vient juger, capable de prendre personnellement dans les prisons, hein, pour prendre un prévenu, un détenu, pour attendre? Non, c'est la police comme auxiliaire de la justice qui place le prévenu pour mener un détenu, prévenu, à devant le tribunal.